de Château Lynch-Consacre, classé de Pauillac, sur le millésime 2007. Alors je sais, 2007, c'était pas le plus grand des millésimes, mais dans les millésimes dits difficiles, il faut faire le tri. Et il faut goûter, c'est notre travail, on fait la sélection pour vous, et vous allez voir qu'ici, on a un très très beau Pauillac. Donc au niveau de la robe, on a une robe qui est soutenue, où on a quasiment plus de rouge dans la robe elle est brune. Donc vraiment signe d'évolution. Donc ça peut vouloir dire aussi que le vin atteint son apogée. Viscosité normale. Au niveau du nez, on est dans ce registre légendaire des grands vins de Pauillac. On a ce côté un petit peu cuir, on a le côté un peu bois de cèdre, on a ce côté un petit peu sous-bois, un petit peu champignon, une petite touche animale. Donc vraiment très très joli nez. Alors quand on le travaille, on gagne en profondeur, on reste dans la même palette aromatique, mais c'est un petit peu plus puissant. Quelle bouche? Donc au niveau de la bouche, on a une légère acidité sur le côté de la langue, on a une structure tannique qui est encore omniprésente, on a un vin qui laisse une sensation au niveau de la persistance aromatique très complexe, avec ce côté un peu bois de sève, le côté un petit peu carboné, ce côté un peu champignon, presque un petit peu truffé. C'est vraiment très très joli. On est sur une puissance moyenne, donc c'est un vin qui va accompagner parfaitement. On parle de l'association des vins de Pauillac avec l'agneau, et non pas avec un vieux mouton, avec l'agneau, avec une viande très délicate, ça fonctionne très très bien. Si vous faites une belle volaille farcie ou pas, avec une garniture sauce brune ou légumes braisés, ça va fonctionner à merveille aussi. Donc on a ici vraiment un très grand vin de Pauillac, pour moi à maturité. On peut garder ça encore peut-être 4-5 ans, mais je dirais que maintenant en tout cas, on a un grand vin de Pauillac à point pour la dégustation. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette bouteille.